دونك طيب غنبداو على بركة الله وغنبداو بيون بتيت ديفينيسيون ديفينيسيون غناخدو واحد لا سيغي سوا لا سيغي الرمز ديالها هو هدا لا صوم ديال يو ان اون سيغي نيميريك غنعتبرو اس ان لا صوم partiel la, la vidéo précédente, la, euh, à la, la série, la somme partielle de la série d'ordre n. Si la suite, la série, la suite, la suite, la suite, la N la suite, la suite, la Donc la série, la somme de LUN est convergente. Dans ce cas, on l'appelle S. La limite, il S est égal à la limite de Sn lorsque N est envers plus l'infini qui est égal aussi. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme, de UK, tel que k est égal à 0 jusqu'à n, ou à la limite, et il y a qui est la somme, de 0 est plus l'infini, u k. Dans ce cas, elle est -ce es la somme de la série UN. De même, a, si la suite est convergente, donc on, on dit que la série est convergente. De même, si la suite SN et que N appartient à N est divergente, dans ce cas, donc, la série, on dit que la série UN est aussi divergente. Quelques remarques. Aide l'annotation. Aide l'annotation ici. La somme de 0 jusqu'à plus l'infini de UK n'a pas de sens que si la série est convergente. Donc, l'écriture la somme de 0 de k de 0 jusqu'à l'infini de UK n'a pas de sens que si on a la condition de la canadienne la série un convergente. La deuxième euh, remarque, ne pas confondre. Confondre. Ne pas confondre entre Sn qui est égal à la somme de K qui varie de 0 jusqu'à N U K, les rois. La somme partielle. Somme partielle. Bah, l'écriture. Ne pas confondre mal l'écriture. U, K. Tel que K varie de 0 jusqu'à l'infini. Et on voilà la somme éventuelle de la série. Éventuelle de la série. On a la somme partielle, bien sûr, de la série. Le n rang de zol quelques exemples tout d'abord. Exemple. Prenons la série suivante. La somme de l n supérieur ou égal à 0 de 1. C'est une série telle que le terme général de la série. Terme général est un est égal à 1 la somme partielle la somme partielle d'ordre n et car on se sn qui est égale u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un. Donc u0 bien sûr est égal à 1 parce que le terme la suite est constante plus 1 plus 1 jusqu'à un, -1. Donc SN est égal à 1 plus 1 plus 1. Combien de fois ici Le nombre de termes est N moins 0. Nombre de termes. Nombre de termes. Il est N moins 0 plus 1. D'Al-Qaïda, 400 N plus 1. NNDNA, N plus 1, terme. Donc SN est égal à N. Plus 1 voilà sn maintenant on peut calculer s et il a la limite s la limite de sn lorsque n tend vers plus l'infini pour un chauffe-eau, la série est ce que c'est une série convergente ou la divergente donc s est égal à la limite de sn lorsque n tend vers plus l'infini est égal à la limite de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini donc la limite n'existe pas donc donc la série 1 telle que n supérieur à 0 est divergente c'est une série divergente un autre exemple exemple numéro 2. Prenons la série suivante, 1 sur 3 à la puissance n, tel que n supérieur ou égal à 0. Donc, est-ce que la, de la série est convergente ou divergente Donc, le terme général de la, de la série, le terme Terme général, on voit un qui est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Donc on va calculer la somme partielle Sn qui est égale U0 plus de la série 4, 0, plus U1, plus U2, plus jusqu'à Un, et il y a 1 sur 3 à la puissance 0 là, il y a 1, plus 1 sur 3 à la puissance 1, plus Jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n. Bien sûr, le calcul de la il y a baccalauréat, c'est une série géométrique ou là, une suite géométrique. Le calcul de la 1 moins q, il y a 1 sur 3 à la puissance n moins 0 plus 1, le nombre de termes n plus 1 sur 1 moins 1 sur 3. Donc, il y a Sn. Donc, on a dit Sn, on peut déduire S, les la limite lorsque n tend vers plus l'infini, Sn, qui est égale à la limite de 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 3 lorsque n tend vers plus l'infini. Or, on sait que la limite de Q à la puissance n en plus, l'infini est égal à 0 si la valeur absolue de Q est inférieure à 1, il y a que la qu entre moins 1 et 1, 4 atteindre la limite en 0. Donc, la limite de le terme, la limite de l'aide terme, elle en 0. Donc, 4, 1, 1 sur 1, moins 1 sur 3. Donc, S est égal, compris, ce à le 3, il faut, 3 sur 3 moins 1, il y a 2. Voilà S. Donc, la série n supérieur à 0, 1 sur 3, la puissance n est convergente. Convergente parce que la limite existe qui est égale à 3 sur 2. Dans ce cas, dans ce cas, L'écriture, le sens, euh, 1 sur 3 à la puissance n de 0 jusqu'à plus l'infini. Les 4 savées de la somme, il y a S. 4 savies, S les 4 savées, 3 sur 2. Donc l'étude de la série, en général, c'est une série géométrique. Je vous la vidéo euh, prochaine, C'est une série, toujours une série convergente, il a calcul entre moins 1 et 1 c'est une série géométrique. Maintenant, c'est quoi une série absolument absolument convergente. On dit que la série on dit que la série un et que n supérieur ou égal à 0 est absolument absolument convergente absolument convergente si la série suivante et il y a des la valeur absolue de le terme général un est convergente donc c'est simple la, 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 de la série avec valeur absolue et convergente, donc on dit que la série est absolument absolument convergente. À partir de la définition, on peut déduire le critère de Cauchy. bien une série UN est absolument convergente